Les oseilles, c'est le titre de ce texte d'aujourd'hui, mes chers élèves. Bienvenue sur votre chaîne Je Communique TV. C'est une sorte de révision qu'on a déjà vue pendant cette année. Un peu d'histoire. Alors, les oselets, suivez avec moi, s'il vous plaît. Prenez votre livre, L'arbre mot, de COV. Un peu d'histoire, les oselets seraient les ancêtres des dés. Ils sont connus de tous les peuples depuis l'Antiquité. On a retrouvé des jeux d'oselets dans les ruines d'Herculanum, ville italienne antique, ensevelie sous les cendres des volcans Vésuve. Au Maroc comme ailleurs, on jouait aux oselets soit avec des petits os de mouton, soit avec des petits cailloux plus ou moins ronds, de la taille d'une fève. Puis, on a fabriqué les osselets en plomb avant de les faire en plastique. Et si on jouait, pour jouer aux osselets, il faut 5 osselets dont un porte une marque spéciale. Le plus souvent, il est peint en rouge. Règle de base. On ne peut toucher les osselets blancs que lorsque l'osselet rouge se trouve en l'air et l'osselet rouge ne doit jamais tomber par terre. Le jeu. Première figure. Jeter, comme des dés, les 4 osselets blancs par terre, lancer l'osselet rouge en l'air et avant qu'il ne retombe, saisir un osselet blanc par terre, puis rattraper l'osselet rouge tout en gardant l'osselet blanc dans la main. Et poser l'osselet blanc de côté. Recommencer ensuite en ramassant un par un les 3 osselets blancs qui restent. Deuxième figure. Lancer l'osselet rouge en l'air. Et avant qu'il ne retombe, saisir 2 osselets blancs ensemble, puis rattraper l'osselet rouge tout en gardant les 2 osselets blancs ramassés dans la main. Conseil, on peut, avant de les saisir, regrouper les osselets. On peut, avant de les saisir, regrouper les osselets blancs 2 par 2 pendant que l'osselet rouge est en l'air. Troisième figure, ramasser 3 osselets blancs à la fois, puis le dernier tout seul. Et quatrième figure, ramasser les 4 osselets blancs à la fois. Alors, quand on ne ramasse pas le bon nombre d'osselets blancs ou que l'on fait tomber l'osselet rouge, on passe en tout. On rejoue la figure quand l'autre joueur échoue à son tour. Le gagnant est celui qui réussit en premier les 4 figures. Alors, on parle ici de la variante. Coincer les osselets blancs entre les premières phalanges de ces blancs et poser l'osselet rouge sur le dos de la main. Coincer les osselets blancs entre les premières phalanges de ses doigts. Ici. Et poser l'osselet rouge sur le dos de la main. Ici. Lancer l'osselet rouge. Et pendant qu'il nous trouve, et pendant qu'il se trouve en l'air, se débarrasser des osselets blancs un par un. Puis les ramasser ensuite comme précédemment indiqué. Lancer l'osselet rouge et pendant qu'il se trouve en l'air, deuxième variante, lancer l'osselet rouge et pendant qu'il se trouve en l'air, faire passer les osselets blancs sous un petit pont un par un, puis 2 par 2, puis 3 et 1. Voilà.
Alors, je viens de vous raconter un texte narratif qui parle de les osselets et comment, et aussi comment utiliser ce jeu. C'est explicatif, informatif et explicatif. Voilà, c'est tout pour le moment. À très bientôt.